Tant que l'harmonie règne entre les licornes, Pégase et Poney terrestre, sa lumière illuminera les cieux au-dessus de la baie de Port-Poney. Et il y aura toujours une jeune ponette qui ne recule devant rien pour venir à notre aide à tous. Je suis réveillée, Hein ? Mais où est-ce qu'ils sont tous ? Au champ équestré, hein, pour la fête ! Et Hitch m'attend là-bas. Mais il y a quelque chose qui cloche. Mon sac ! Où est-ce que je l'ai laissé cette fois ? Petite fripouille. Et si j'utilisais ma magie de terre sur cette plante? Avec ma magie de poney terrestre, je peux faire pousser les plantes et les fleurs. Appuie sur cette touche pour l'utiliser. Saute dessus pour atteindre des endroits en hauteur. Avec ma magie de poney terrestre, je peux faire pousser les plantes et les fleurs. Appuie sur cette touche pour l'utiliser. Saute dessus pour atteindre des endroits en hauteur. Avec ma magie de poney terrestre. Tada ! Oh ! Il faut juste que j'arrive à l'atteindre. Génial ! Qu'est-ce qui se passe? Shimmerwing, c'est toi! Waouh, tu es vraiment forte pour un papillon. Qu'est-ce que tu faisais coincé ici? Désolée, je ne parle pas le papillon. Suis le papillon pour savoir où aller. Je crois qu'elle veut que je la suive. Faut y aller!
T'es encore là? On ferait mieux de se dépêcher. La baie de Porponey nous attend. Je sais. C'est par là, hein? Oui. Mais le pont est cassé. On pourrait peut-être le réparer avec mes pouvoirs. Un peu de magie spéciale, easy! Mais je me souviens pas où j'ai laissé mes outils. Ils doivent pas être très loin. Oh, tu peux m'aider à les retrouver? Compte sur moi! Super! Plus que deux! Oh, parfait! Encore un! Appuie sur cette touche pour secouer l'arbre. N'oublie pas de ramasser ce qui tombe. Ça y est, on a le compte. Plus qu'à les ramener à Izzy. Merci, Sunny. Tu as sauvé ce pont. À partir de maintenant, quand tu trouves une table comme celle-ci, tu pourras laisser libre cours à ta créativité et transformer le monde qui t'entoure. Merci pour ton aide. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la magie. Appuie sur cette touche quand tu trouves une table comme celle-ci pour libérer ta créativité. Aller trouver Itch. Il doit m'attendre depuis longtemps. Et il est tellement à cheval sur la ponctualité. Te voilà enfin. Je t'ai cherché partout. Tu es la dernière. La dernière? La dernière à quoi? À ne pas encore avoir participé à la compétition. C'est une nouvelle et grande tradition pour la fête de la baie de Porponey. Le poney berger, avec des lapins. Je suis obligée? Oh, je ne sais pas si ces pauvres lapins, ils... Ils adorent ça, ils me le disent tout le temps. Tu vois? Dans ce cas, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ces lapins n'arrêtaient pas de s'échapper en direction des champs équestréens. Il nous manque plus que 3 lapins, ils ne doivent pas être allés bien loin. Tu veux bien aller les attraper pour moi? Ils vont s'éloigner de toi quand tu t'approches. Guide-les jusqu'ici. Pas de problème, j'y vais de ce sabot. N'oublie pas que les lapins vont s'éloigner de toi. Poursuis-les et ramène-les vers moi. Bien joué, Sunny. Tu as un don pour ça. Mais on a encore du foin sur la planche. Rapporte des carottes avant qu'ils ne commencent à sautiller partout.
On fera de toi une vraie ponette de berger, ma parole. Bienvenue au camp d'entraînement intensif pour la compétition de poney berger. L'objectif est simple, faire franchir ces portails aux lapins. Plus tu ramènes de lapins, plus tu marques de points. Mais attention, les arches qui servent de but vont changer de côté. Es-tu prête à relever le défi? Super! Lâchez les lapins! 3, 2, 1, partez! Il va peut-être y avoir un peu de compétition cette année. Génial! Champs équestréens, nous voilà! Ouais! Juste 2 secondes que je déplace toutes ces caisses. On devrait peut-être lui donner un coup de sabot? Non, surtout pas. Je les mets là, puis après je... Aïe! Je trouve qu'il s'en sort très bien. Il est tellement doué pour ça! Voir un spectacle fabuleux? Bien sûr! Absolument! Alors ne manquez pas la pétale parade! La pétale parade! Toute la ville sera là! Alors on y sera aussi pour te soutenir! Je vais amener plein de paillettes! Et je vais pouvoir essayer ma nouvelle chanson, elle déchire! Le refrain c'est... Bon, je serai là, pour t'applaudir. Parfait! On se voit là-bas, les ponettes! Ah. Je vais aller fabriquer des décorations! À plus! Et moi, je vais aller monter la garde devant le parc de la ville. Oh!
J'avais jamais vu les champs équestréens aussi décorés. Je ne pense pas qu'ils vont me laisser passer. Costume pour la fête de la baie de Port-Poney. Déguisement, paillettes. Hey, où est-ce que vous allez comme ça? À la pétale parade, monsieur. Mauvaise réponse. Sunny Star Scout, c'est ça? Vous avez été désigné volontaire pour l'Académie de vol L. En tant que ponette volante débutante, vous devez immédiatement commencer votre entraînement. Mais je sais à peine comment voler. Eh bien, c'est le principe, non? J'imagine, oui. D'abord, nous allons tester votre motricité au sol avec une course d'obstacles. Attrapez tous les cristaux dans les temps et vous gagnerez peut-être le droit de vous envoler. Êtes-vous prête à commencer l'entraînement? Plus que prête! Enfin, je veux dire, oui, monsieur. Trois, deux, un, partez! Joli travail, Cadet Star Scout. On dirait une vraie pro. Vous avez bien mérité cela. Ruby, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien ne va! Ma belle affiche a été saccagée! Aucun poney ne viendra à mon spectacle maintenant! C'est scandaleux que cela puisse se passer dans la baie de Port-Poney! Qui ferait une chose pareille? Un poney mal intentionné cherchant à gâcher la fête à tout le monde! Nous devons le trouver! Ou la trouver! Comment ça, là? Tout le monde est suspect! Il doit bien y avoir quelqu'un qui a vu quelque chose! Il faut interroger tous les poneys dans le coin. Je m'en charge. Le saboteur a une longue crinière bleue. Soit de bris de bois et une coupe audacieuse. Génial! Le coupable a le crin violet. Smoothie, fruité, épicé, allégé, comme vous les voulez. Ah!
L'usine est fermée. On fait des rénovations. Le suspect est une licorne. J'ai réuni tous les indices. Il faut que je retourne voir Butchou. Beau travail de détective. Une licorne à la robe violette avec une longue crinière bleue. Je crois que tu sais aussi bien que moi qui a fait ça, Sunny. Non, ça ne peut pas être Izzy. En tant que shérif adjoint, je n'ai pas le choix. Je dois l'arrêter. Non, attends. Il faut que je lui parle. Espérons que tu la trouves avant moi, alors. Pour ça, tu peux compter sur moi. Salut, Sunny. La fête de la baie de Porponey, c'est mon jour préféré. En fait, quelqu'un a abîmé l'affiche de Ruby. Oh non, c'est terrible. J'ai une idée. Un petit peu de magie et elle sera comme neuve. Mais oui, ça prouvera que ce n'était pas toi. Pas moi qui quoi? Non, rien. De quoi on a besoin? De peinture. Beaucoup de peinture rose. Tu peux en trouver? Oui, bien sûr. Oh, bonjour. Tu as besoin d'un peu de peinture? Oui, beaucoup de peinture rose. Fantastique. Et qu'est-ce que tu as à échanger? Échanger? Ben, c'est la fête de la baie Porponey. Pas d'argent, seul le troc est autorisé. C'est mauvais pour les affaires, mais bon pour le moral. Et qu'est-ce que vous voudriez contre toute cette peinture? Ben, j'aurais bien aimé être un garde Pégase quand j'étais petit. C'est chouette d'avoir une boutique, mais j'aimerais vraiment pouvoir essayer l'un de leurs casques. Tu pourrais peut-être en trouver un pour moi? Un casque de garde Pégase, c'est noté. Je vous en ramène un. Quoi? Mon casque? Pas de question. Demandez à un autre poney. Quel merveilleux costume t'intéresserait? Je cherche un casque de garde. Un casque de garde? Excellent choix, oui. J'en ai bien un, mais... Mais vous voulez le troquer contre quelque chose d'autre? C'est la tradition. Tout ce que je demande en échange, c'est une superbe fleur rouge. Une fleur rouge? D'accord, marché conclu. Ah, c'est une fleur rouge que tu veux? Je vous l'échange contre ce que vous voulez. Oh, j'aimerais pouvoir, mais je n'en ai plus du tout. Par contre, j'ai bien des graines de fleurs rouges plantées dans ces pots. Mais alors, je pourrais utiliser ma magie pour les faire pousser, si vous êtes d'accord, je veux dire. Naturellement. Et c'est donc sur celle-ci. Tada! Absolument ravissante! Tiens, mon chou, un casque tout beau, tout neuf. Je crois que j'aime bien le troc. Il n'y a plus qu'à aller à la boutique de peinture. Regarde-moi ça. Oh, laisse-moi l'essayer. Ça vous va bien? N'est-ce pas? Pour Equestria. Ouais, pour Equestria. Un marché est un marché. Voici la peinture rose. Super! On peut réparer l'affiche maintenant. Pas mal! Oh, Sunny, tu m'as sauvé la vie! Avec plaisir! C'est un jour de fête après tout! Je retourne au Ruby Melody. La foule va bientôt arriver! Tous les poneys sont les bienvenus! Le spectacle va bientôt commencer!
facile de trouver des chapeaux pour les licornes. Elles les percent tous. Alors, tu as retrouvé Izzy ? Elle n'a rien fait de mal. On verra ça. Je sens un truc louche. Le top du top de la mode des hauts de Zéphyr. Tu as trouvé qui a dévasté mes pauvres affiches ? En fait, non. Oh, peu importe. Elles sont très bien maintenant. C'est ce qui compte. Sunny, le public est là. Mais il y a quelque chose qui manque. Primrose, une de mes danseuses. Il ne peut pas y avoir de spectacle de danse sans danseuse. Tu peux la retrouver ? Ça marche. Où est-ce qu'elle pourrait être ? Je ne sais pas trop. Elle aime se cacher. Ah, et laisse-moi aussi. Ça devrait suffire. N'oublie pas, the show must go on. Je peux pas te laisser rentrer dans le parc de la ville si tu n'as pas un badge de la fête de la baie de Porponnet. Tu sais, tu pourrais commencer par aider Ruby avec son spectacle. Toi, Primrose ? Oh, non ! Primrose, elle est partie ! Pouf ! C'est toi, Primrose ! Oui, c'est moi ! Mais je ne peux pas aller au spectacle ! Pourquoi ça ? Quelque chose ne va pas ? Juste, je n'ai rien à me mettre ! Quoi, c'est tout ? Je vais te trouver des habits ! Tu ferais vraiment ça pour moi ? J'ai besoin de 3 vêtements ! 3 ? Je reviens tout de suite. Avec ça, les compliments vont pleuvoir. Smoothie, fruité, épicé, allégé, comme vous les voulez. Tada ! Une tenue de scène a tombé. Ah oui, la commande pour le spectacle. Je les ai tous. Il faut que je les ramène à Primrose. Maintenant, tu peux aller au spectacle. Mais je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Quoi ? Pourquoi ça ? Parce que... Et s'il n'aimait pas ses vêtements ? Hein ? De qui tu parles ? Peach. De qui d'autre ? Il est tellement gentil avec tous les poneys. Si attentionné et si... Si lui... Oh, je vois. Mais la mode, ce n'est pas trop son truc. Ah bon ? Tu es sûre ? Ouais, il est plutôt du genre à courir avec des lapins, tu vois ? Je me disais que si je me montrais sous mon meilleur jour sur scène, je... Mais je suis trop timide. Pourquoi donc ? Tu n'as aucune raison de l'être. Tu es parfaite juste comme tu es. Pour de vrai ? Pour de vrai. Il suffit que tu sois toi-même. Tu pourrais juste aller le voir et dire « Salut !» Je sais pas, c'est... Ce serait plus facile si j'avais une excuse pour engager la conversation. Et si, par le plus grand des hasards, tu avais un smoothie en trop à partager ? J'imagine que ce serait une bonne excuse, oui. Il raffole des smoothies à la citrouille.
Tu crois que tu pourrais m'en apporter un? Sans souci, Sunny, la spécialiste en smoothie. Mais mon chariot à smoothie est en réparation. Où est-ce que je vais bien pouvoir en trouver? Salut, salut! Le refroidisseur de mon chariot à smoothie ne marche plus. Tu pourrais me dépanner de deux petits smoothies? Je te revaudrai ça. Oh, bien sûr, Sunny. Avec plaisir. De quoi tu as besoin? Génial! Deux smoothies à la citrouille, s'il te plaît. Oh non! Je ne vais pas pouvoir t'aider. Je suis à court de crème de citrouille. Mais si tu m'apportes des citrouilles, je pourrai en refaire. Qu'il me fallait. Alors cap sur la boutique à smoothie. Et deux smoothies à la citrouille, deux. Merci infiniment. C'est juste des smoothies, c'est pas grand chose. Non, je veux dire, merci de m'encourager à être moi-même. C'est toujours le mieux qu'on puisse faire. Et n'oublie pas, il adore les lapins. Les lapins? Oui! Tu voudrais bien porter ces vêtements à Ruby? Elle en aura plus l'utilité que moi! Bonne idée! Des vêtements si tendance, elle adorera forcément! Des vêtements? Mais c'est d'une danseuse dont j'ai besoin pour mon spectacle! Et tu as besoin que je te trouve une nouvelle danseuse, c'est ça? Non, j'en ai une parfaite juste devant moi. Tu seras fantastique! Prête à enflammer la piste de danse? C'est le moment de tout donner, ma belle! Mets-toi en tenue, y a pas une seconde à perdre! Bienvenue à la Pétale Parade, édition spéciale pour la baie de Port Poney. D'abord, il faut qu'on s'habille. Choisis dans le menu la tenue la plus fantastique possible. Appuie sur cette touche pour l'enfiler. Appuie sur ces touches ou déplace-toi vers les côtés pour choisir d'autres accessoires. Appuie sur cette touche lorsque tu as fini, car c'est l'heure d'aller éblouir tous les poneys de la ville. Right.
Je ne savais pas que tu dansais si bien. Moi non plus. Tu es une excellente prof de danse. Pour te remercier, je voudrais te donner ça. Un badge de la fête de la baie de Porponnet. Avec ça, tu vas pouvoir aller au parc de la ville et participer à l'épreuve avec les lapins. J'aime de plus en plus cette fête. Trouve les miroirs magiques. Utilise-les en appuyant sur ces touches pour avoir une tenue adaptée à toutes les occasions. Je suis navré, Sunny, mais je peux pas te laisser entrer sans le badge de la fête. Notre compétition de poney berger, c'est du sérieux, tu sais. Trouve un miroir magique et accroche-toi à la médaille. Regardez-moi ça! Cette médaille te va ravir! Tu m'as l'air prête à tenter ta chance avec les lapins, je me trompe? Allons au parc de la ville! Et voilà! Tout est prêt pour la grande épreuve de quoi? Tout va bien? Non! Mon affiche! Mal. Regarde mes dents! C'est du sabotage! Il faut mener une enquête, oui. Pas le choix. Mais qui peut bien vouloir gâcher la fête comme ça? Vous avez bien dit enquête? J'adore les enquêtes! Détective privé Zip, à votre service. Tu ne devrais pas être à ton académie de vol? Ouais, les poneys semblent plus intéressés par le bronzage. Et on a des témoins à trouver, ce qui est beaucoup plus amusant. Les poneys du coin doivent savoir quelque chose. Oh... D'accord, je vais mener l'enquête.